Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir avec vous comment réaliser la lettre P avec des élastiques et sans machine. C'est parti! Donc au niveau du matériel, il nous faut deux fourchettes, des élastiques couleur au choix et deux crochets. Si vous n'en avez qu'un, vous pouvez remplacer le deuxième par un petit cure-dent par exemple. Donc on commence avec un élastique que l'on pose sur nos deux dents de droite. On fait un 8 et on passe une fois, deux fois. De cette façon, on a l'impression d'avoir trois élastiques en tout sur nos deux dents. On continue avec deux élastiques que l'on pose sur nos deux dents de droite, devant et derrière tout simplement. Avec notre crochet, on attrape nos trois élastiques du bas pour les faire passer par-dessus nos deux élastiques du haut. On place dans ce sens, on détache ces deux élastiques et on les pose sur les deux dents de derrière. Voici ce que l'on obtient, quatre élastiques sur nos deux dents. Et on continue avec deux élastiques que l'on pose sur nos deux dents de droite, devant et derrière. Avec notre crochet, on attrape nos quatre élastiques du bas, on les fait passer par-dessus nos deux élastiques du haut. On place dans ce sens, on détache ces deux élastiques et on les pose sur les deux dents de derrière. Donc là, ça va être très répétitif. Je vous laisse avec les images et je vous retrouve un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc voilà, on a terminé la première étape, voici ce que l'on obtient. On va prendre notre deuxième crochet maintenant et on va passer le tout dessus de façon à le détacher et le laisser de côté pour le moment. Donc on reprend nos fourchettes et un élastique et on pose sur nos deux dents de droite. On fait un 8, on repasse une fois, deux fois. De cette façon, on a l'impression d'avoir trois élastiques sur nos deux dents de droite. On continue avec deux élastiques que l'on pose sur nos deux dents de droite, devant et derrière. Avec notre crochet, on vient attraper nos trois élastiques du bas pour les faire passer par-dessus nos deux élastiques du haut. On place dans ce sens, on détache ces deux élastiques et on les pose sur nos deux dents de derrière. On continue avec deux élastiques que l'on pose sur nos deux dents de droite, devant et derrière. Avec notre crochet, on attrape nos quatre élastiques du bas pour les faire passer par-dessus nos deux élastiques du haut. On place dans ce sens, on détache ces deux élastiques et on les pose sur nos deux dents de derrière. On continue avec deux élastiques que l'on pose sur nos deux dents de droite, devant et derrière. Avec notre crochet, on attrape les quatre élastiques du bas, on fait passer par-dessus nos deux élastiques du haut. On place dans ce sens, on détache ces deux élastiques, on les pose sur nos deux dents de derrière. On continue avec deux élastiques que l'on pose sur nos deux dents de droite, devant et derrière. Avec
notre crochet. On vient attraper nos 4 élastiques du bas pour les faire passer par-dessus nos 2 élastiques du haut. Et on laisse le tout comme ceci. On reprend notre pièce qui se trouve sur notre crochet et on va l'enfiler sur nos dedans de droite. Donc on commence par les 2 premiers, ensuite les 2 seconds et on enfile. Comme ceci. Voici ce que l'on obtient. On a donc 6 élastiques en tout sur nos dedans de droite. On place maintenant le tout dans ce sens, on détache ces 2 élastiques et on peut les mettre sur nos dedans de derrière. On continue avec 2 élastiques que l'on pose sur nos dedans de droite, devant et derrière. Avec notre crochet, on va venir attraper tous nos élastiques qui sont en dessous et on les fait passer par-dessus. On place dans ce sens, on détache ces 2 élastiques, on les pose sur nos dedans de derrière. Voici ce que l'on obtient. On reprend 2 élastiques que l'on pose sur nos dedans de droite, devant et derrière. Avec notre crochet, on attrape nos 4 élastiques du dessous, on fait passer par-dessus. On place dans ce sens. On détache ces 2 élastiques, on les pose sur nos dedans de derrière. 2 élastiques toujours sur nos dedans de droite, devant et derrière. Avec notre crochet, on attrape nos 4 élastiques du bas pour les faire passer par-dessus nos 2 élastiques du haut. On place dans ce sens, on détache ces 2 élastiques, on les pose sur nos dedans de derrière. On continue avec 2 élastiques que l'on pose sur nos dedans de droite, devant et derrière. Avec notre crochet, on attrape nos 4 élastiques du bas pour les faire passer par-dessus nos 2 élastiques du haut. On place dans ce sens, on détache ces 2 élastiques, on les pose sur nos dedans de derrière. Afin d'obtenir ceci. On reprend notre crochet, on détache nos 2 élastiques du haut. On les pose sur nos dedans de derrière. Ensuite, on va prendre notre élastique de départ, celui qui se trouve complètement à l'extrémité. On l'enfile dans notre crochet. Et on le place sur nos dedans de droite. Donc là, on enfile 3 élastiques en tout. On place dans ce sens, on détache ces 2 élastiques et on les pose sur nos dedans de derrière. On continue avec un élastique que l'on pose sur nos dedans de droite, devant et derrière. Et avec notre crochet, on va venir attraper tous les élastiques qui sont en dessous et on les fait passer par-dessus. Place dans ce sens, on détache ces 2 élastiques, 7 élastiques puisqu'il n'y en a qu'un, on le pose sur nos dedans de derrière. On se retrouve donc avec 2 élastiques, on attrape celui du bas pour le faire passer par-dessus celui du haut et on serre bien. Pour sceller le tout, on peut détacher de nos fourchettes. On va tirer un petit peu sur nos élastiques pour que notre lettre prenne forme. Avec notre crochet, on va venir cacher notre élastique de fermeture dans les autres élastiques pour qu'il ne se voit plus. Et une fois que c'est fait, une fois de plus, on va tirer un petit peu dans tous les sens pour que ça prenne forme. Et donc voilà notre lettre P qui est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous plaît, que cette vidéo vous a plu également, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. Et moi, de mon côté, comme d'habitude, je vous retrouve très rapidement pour un nouveau tuto. Je vous fais plein de bisous. Bye !